la priorité de l'incrimination et de la condamnation, elle est maintenant. C'est maintenant qu'il y a des recherches. Nous avons de très nombreux documents photographiques et vidéo, et nous allons chercher les auteurs, avec, je l'espère d'ailleurs, l'aide de tous ceux qui condamnent les violences, parce que les condamner verbalement, c'est bien. Aider à ce que les condamnations soient réelles devant la justice, c'est mieux. Donc je compte que toutes les personnes qui ont des informations sur les auteurs de ces violences les communiquent aux forces de l'ordre. Pour en revenir quand même à... L'objectif d'une cellule de ce type-là, c'est d'avoir le maximum de résultats. Donc il y a plusieurs enquêteurs qui vont travailler sans doute pendant plusieurs semaines, parce qu'il faut recueillir un maximum d'informations, en particulier vidéo, mais aussi de témoignages. Moi, j'appelle tous les participants à la manifestation, les organisateurs qui condamnent maintenant ces violences, je les appelle à nous donner des informations sur les gens qui se sont associés à leur manifestation. Donc, ça sera une manière très claire de montrer qu'ils se désolidarisent de ces actions-là. Cet appel est un peu inhabituel, non? C'est un appel à la citoyenneté. Certains pourraient parler de délation? Alors non, je ne vois pas en quoi... J'ai témoigné pour, en même temps pour l'affaire, j'ai témoigné pour l'affaire de Quentin, parce que j'étais présent au moment du tir et j'ai filmé toute l'évacuation de Quentin où une dizaine de manifestants a les bras en croix devant des CRS qui sont censés, normalement au niveau de la loi, porter secours à Quentin qui est au sol. Et bon, ça a duré 5-10 minutes où les policiers n'ont pas voulu entendre. Je crois que la phrase d'un des policiers, c'est « emmenez-le à l'hôpital, connard ». Tout en continuant à envoyer des grenades effectivement sur le groupe qui protégeait Quentin, qui vous l'imaginez était dans un très sale état. Et vous savez si vos vidéos étaient saisies par Gmail? Saisies non, mais je leur ai donné les images qui sont sur Citizen Land depuis
depuis quelques jours après la manif, donc ils en ont la possession. Mais en même temps, à l'échelle de la France, le flashball dépasse largement Notre-Dame. Il y a l'État qui vient d'être condamné là, pour un jeune homme qui avait été touché au flashball en 2009 lors de la Coupe de la Musique. Donc, vous avez vu aussi dans les médias que c'est, le flashball est aussi largement. Il y a un procès en ce moment à Mayotte d'un petit garçon, vous irez voir l'image, qui a 9 ans, qui a pris un tir à quasiment bout portant d'un policier français sur Mayotte. L'enfant faisait 24 kilos, je ne sais pas si vous imaginez l'état dans lequel il est. Quoi. Donc, moi j'avais titré mon article zèle policier, c'est du zèle à minima, quoi. C'est des armes très très précises. Pierre le dira peut-être pas là, mais quand Pierre se retrouve dans des manifestations, les policiers sont quand même encore aujourd'hui à le chambrer et à faire des gestes pour savoir quand est-ce qu'ils vont viser l'autre œil. Donc ils sont vraiment eux aussi dans une logique de guerre, quoi. Ils attendent généralement la fin de journée, même si là ils ne l'ont pas fait. Mais tout ce qui s'est passé sur la place de la Petite Hollande, c'est au moment où on n'est pas dans des attroupements, on n'est pas dans ce que vous avez vu au niveau de 13h, au niveau du cours 50 otages, où il n'y a pas de tir de flashball d'ailleurs à cette heure-là. On est vraiment sur des distances de 20 ou 30 mètres où les gens, les policiers sont avisés, ils visent où ils veulent, quoi, entre viser un mollet et une tête, vous voyez bien, il y a un mètre, quoi. Et cette arme-là est précise à 2-3 cm, quoi. Donc il y a vraiment un problème au sein des forces de police, d'après moi, qui s'amusent à viser les visages, quoi. Alors moi je suis photographe indépendant, je travaillais pour Citizen Land ce jour-là. J'étais principalement axé sur les méthodes policières. Vous verrez dans le dossier de presse, j'ai mis un lien sur le tir que j'ai moi-même subi quasiment à 2-3 mètres par un policier Quai de Turenne. Alors vous verrez, c'est vraiment un tir délibéré, zélé. C'est au moment où des journalistes se faisaient gazer, où je suis arrivé, j'ai juste dit arrêtez, ce sont des journalistes et un fonctionnaire de la police m'a tiré au niveau du thorax. Ce qu'il faut dire, c'est que la préfecture avait annoncé qu'il n'y aurait pas d'utilisation de flashball super pro pendant cette manifestation. Mon cas et de nombreuses images montrent qu'il y en a qui a eu l'utilisation. Ce flashball super pro est très imprécis. Il peut être mortel à bout portant. Quoi d'autre ? J'étais témoin du... Je suis assez ému aussi parce que je trouve ça assez lamentable de voir des jeunes trentenaires éborgnés à vie. Il faut savoir que le flashball est une arme défensive au départ, qu'elle se transforme de plus en plus en arme offensive. Je pense que faire rentrer des armes de guerre dans une manifestation, ça n'a pas lieu d'être. Et voilà, je trouve assez lamentable ce qui s'est passé à Nantes. Ce jour-là, je trouve certaines complicités journalistiques aussi avec la police assez lamentables. Je me permets de le dire parce que je suis indépendant et que beaucoup de journalistes ont trouvé, entre guillemets, bien fait ce qui m'était arrivé. Je pense qu'en plus, pour avoir vraiment observé dans d'autres manifestations l'utilisation du flashball, c'est inutile. Hein. C'est inutile, ça ne sert à rien, ça ne repousse pas des manifestants, ça mutile comme vous l'avez vu. Le flashball super pro devait être interdit en 2004, il en a été fait largement usage lors de la manifestation. Donc voilà, moi je me suis penché sur ce sujet depuis 2-3 semaines. J'ai aidé à la constitution du dossier de presse et je vais suivre de près ce qui se passe. Moi j'ai aussi porté plainte pour violence volontaire avec une demande symbolique de... Et au moins de me retrouver face à mon agresseur qui est largement filmé. Il se trouve qu'il y a beaucoup de caméras aujourd'hui dans les manifestations, que ce soit de journalistes ou d'amateurs. Et j'ai l'impression que les forces de police n'ont pas du tout envie qu'on vienne
s'immiscer dans leur travail. En tout cas, je pense qu'il est très important de le faire, voilà, et de témoigner. L'objectif que nous étions fixé était d'abord de préserver le centre de Nantes, et Nantes n'a pas été saccagée, contrairement à ce qui est dit. Après un décompte au dégâtomètre, notre envoyé spécial est en mesure de révéler que, en réalité, seules 9 vitrines ont été cassées ou étoilées. La plupart sont des cibles clairement politiques et liées au projet d'aéroport ou au transport aérien. Vinci, mairie de Nantes, conseil général, agence de voyage. On est bien loin des dizaines de magasins mis à sac, de la façade de l'hôtel de ville détruite, de la dévastation d'un quartier de la ville, voire de la ville tout entière, comme l'ont écrit les journalistes de la presse locale. Nantes a été touchée, blessée, en périphérie du centre-ville, mais Nantes n'a pas été saccagée. Et le saccage de Nantes, c'est le vrai risque qui existait si nous avions autorisé le passage au centre-ville. Et si l'ordre n'était pas de charger, mais juste de défendre l'accès au centre-ville, c'est bien ça? Dans une gestion d'ordre public, effectivement, il faut se fixer des priorités en fonction des moyens dont on dispose. Je crois que ça ne va pas s'arranger, parce que l'État est complètement minable et faible politiquement. Il est vraiment à la solde de ceux qui possèdent. Et quand les possédés se révoltent, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa police et son armée. Et moi, je suis très pessimiste là-dessus. Je crois que de plus en plus, on va se prendre des coups comme ça, quand on revendique ne serait-ce que du social, hein, son salaire, son entreprise qui ferme, etc. Ils frappent comme des chiens sur les gens, ça ne les gêne pas. Donc on est vraiment dans un système qui monte de plus en plus, où toute contestation sera tuée dans l'œuf le plus possible par l'État, parce que l'État, il est complètement déculotté, il est nul, pour moi. Hein, il ne fait pas son boulot, hein, il est complètement la seule. Donc toutes ces choses-là seront effectivement endiguées le plus rapidement possible pour ne pas se retrouver en double difficulté finalement de la part de l'État. C'est vraiment là, et alors du coup, ça si remet comme... Là nous, on se réunit ensemble, on essaye de trouver des mots communs, on n'est pas forcément... Et donc notre mot commun, c'est de poser la question de l'impunité policière. Je suis contre les élections, moi. Ah bon? Ouais. Vous êtes pour quoi? Je suis pour l'insurrection démocratique. Alors ça consiste en quoi, par exemple? Ça consiste à dire que tous les pouvoirs, il faut les foutre par terre. Il faut revoir tout ça carrément, parce que tous ceux qui s'assoient dans les sièges des instances démocratiques, ils deviennent véritablement nuls à chier. On est gouvernés par des croulants, des petits héros, des chauves et des grands. Imagine un peu la gueule de ton père, si ces messieurs avaient les cheveux verts. Si ces messieurs avaient les cheveux verts. Ah putain, ça pique un peu. Bonjour, moi, Tessier Damien. Pareil, je me trouvais à peu près au même endroit, au même moment que mes collègues là, ce jour-là, malheureusement. Et en fait, première manifestation de ma vie, je pense la dernière aussi. Parce que j'étais vraiment venu dans une optique cool et à l'écoute, quoi. J'ai écouté tous les débats place de la Petite Hollande, tout l'après-midi et tout. Ça se passait carrément bien. Après, pareil, par curiosité, je suis passé par là et tout. Je me suis retrouvé parmi des gamins, parmi des personnes âgées, affolées, paniquées. Voilà quoi, puis on va juste dire que je me suis trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Puis au moment de partir, chercher ma serre, je me suis pris un projectile, je saurais pas quoi vous dire exactement, je prends un de ces trucs-là. Donc, je me suis pris un plein de l'œil, du coup j'étais admis à l'hôpital le samedi soir, ils m'ont suturé, ils m'ont laissé ressortir, et le lendemain ils m'ont opéré d'urgence. Quand je suis retourné le lendemain, du coup j'ai une nécrose de la rétine, et encore plus de trois complications, mais en gros c'est ça quoi. Puis quoi vous dire de plus, voilà quoi, juste du dégoût, de la haine et tout ça, quoi, voilà.
tout simplement. Non, l'œil gauche, je vois pas. On est aussi conscient que la couverture médiatique, elle se fait à chaud. Elle se fait pas dans 6 mois quand ça va mieux. Donc il faut qu'on prenne sur nous aussi pour avoir l'intérêt des médias avant que, je sais pas, il y ait une Coupe du Monde ou qu'il y ait un Premier ministre qui a un enfant ou je peut-être sais pas. Que vous... c'est ça aussi le côté où c'est dur, mais on doit se faire violence. C'est pour ça que c'est important d'être entouré, parce que c'est une démarche qui est quand même très dure. Nous, tous autant qu'on est, c'est aussi des cauchemars. Il y a un traumatisme psychologique qui est là, indépendamment, peut-être que ça se voit physiquement, mais il y a quand même quelque chose derrière. Et c'est important, donc... même si c'est dur, il faut qu'on le fasse. Et il y a des dizaines et des dizaines de blessés du 22 février qui se taisent, qui ne communiquent même pas sur leurs blessures. Il y a des images de gens qui ont été gravement blessés, on ne les a jamais vus. Juste préciser que les tirs de flashball sont interdits au-dessus de la ligne d'épaule et du triangle zénithal. La première remarque, je pense, qu'il faut faire, qui est importante, parce qu'on est encore le nez sur l'événement, c'est que cette journée du 22 février... à Nantes, elle a été historique. C'était un tournant dans l'histoire de la répression en France. On n'a jamais vu ça, autant de blessés avec des mutilations permanentes, des infirmités permanentes. Et puis avec ce qui s'est passé, ce qui est entièrement nouveau aussi, c'est des journalistes qui sont agressés, qui sont blessés. C'est rare de voir ça, c'est la première fois. Et puis également des secouristes bénévoles qui sont agressés également par la police. Ça fait quand même 3 phénomènes qu'on n'avait jamais vus. Alors c'est peut-être un retour des faits. Hein, il y avait une évolution de la police depuis une vingtaine d'années, mais là on voit une manifestation d'un processus qui est dangereux pour la démocratie en France. Et à cet égard, il me semble anormal que l'enquête soit confiée en ce moment uniquement à la police. Le devoir du procureur de la République, de Madame le procureur de la République en ce moment à Nantes, c'est de désigner des chefs d'instruction, car ils seront indépendants, et ils pourront faire croire aux demandes des victimes, pour demander des actes. Ça, c'est la première chose. Il est anormal qu'il n'y ait pas encore eu des juges d'instruction nommés, et notamment pour conserver les preuves qui peuvent servir en justice, les faits de tir, les images, etc. Alors, il y a un deuxième élément important aussi, c'est qu'on a créé une équipe qui s'appelle l'Observatoire Laboratoire de la Démocratie Locale, l'OPSLAB, et on va réclamer que les sénateurs et les députés réclament une commission d'enquête parlementaire sur ce qui s'est passé ce jour-là. Vous avez tous remarqué qu'on a annoncé des saccages en centre-ville, et puis il a fallu avoir beaucoup plus de temps pour apprendre tout ce qui s'est passé au niveau des violences policières. On peut se poser beaucoup de questions sur cette journée. Une commission d'enquête parlementaire, c'est une grosse chose, hein, c'est un dispositif important, mais on va le réclamer. Et je pense que les parlementaires, y compris ceux qui sont favorables à l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, pourront se mettre d'accord là-dessus. On a besoin de savoir la vérité. Comment ça s'est fait, ces arrestations? On a eu l'impression, suite au jugement devant le tribunal de Nantes, que ce n'était pas vraiment les casseurs qui avaient été arrêtés, mais plus des jeunes qui passaient par là, qui lançaient quelques canettes de bière, et qui n'étaient pas vraiment ceux qui avaient opéré ces dégradations. Alors ça, c'est une interprétation qui effectivement a été donnée et qui ne me semble pas correspondre à la réalité. Les interpellations n'ont pas été par rapport au nombre de personnes qui sont intervenues dans la violence extrêmement nombreuses, mais elles ont été ciblées. Il y a 1000 casseurs hein, quand même. Au total, je pense qu'il y a 1000 personnes qui ont participé à un moment ou à un autre aux violences. Et une quinzaine d'interpellations seulement. 16 interpellations. Mais sur des faits clairs, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de l'interpellation de masse, on n'a pas raflé des gens, si j'ose dire. D'un côté, il y a eu une justice qui a donné des peines de prison ferme, qui a donné 1 an de prison ferme à un manifestant pour un fumigène. Et de l'autre, il y a des dizaines de blessés, dont plusieurs qui seront mutilés à vie, qui verront plus jamais. Et les policiers sont toujours pas mis en examen. Récemment, Christian Lavernier, le préfet, disait le projet, on doit l'abandonner ou l'imposer par la force armée. Donc, est-ce que c'est ça l'alternative aujourd'hui? Je pense que nous aurons toujours sur la ZAD une partie des opposants qui voudront résister par la violence à la réalisation de cet aéroport. Donc, il faudra un moment pour le faire évacuer ces gens-là. L'évacuation sera d'autant plus facile qu'ils ne bénéficieront pas du soutien effectif d'un certain nombre d'opposants institutionnels. Voilà. D'accord. En tant que responsable des services d'ordre, c'est ce que je peux vous dire. C'est un saut offensif énorme, là, ce qui est en train de se passer. Voilà, mais je pense que, voilà, on a tout dit. Hein. Oui. Je sais pas. Il y a un mot qui est important qui a été dit tout à l'heure, c'est le mot jubilation de faire mal. Mais cette jubilation de faire mal,
ce qui est grave, c'est qu'elle est couverte par la hiérarchie. Là, non, on le voit avec l'histoire des tweets qui était révélée par Presse Océan hier. Les tweeters officiels du commissariat de police à Nantes, ils font de l'humour sur les gens arrêtés. Et bien ça, c'est une violation de leur code de déontologie. Les forces de l'ordre, ils ne doivent pas sortir de leur dignité. Et ça fait des années qu'on le dit, que par exemple, il y a des policiers à Nantes qui font des signes d'égorgement aux manifestants pendant les manifestations. C'est pas normal. Ou ils se moquent de ceux qui ont été mutilés. C'est pas normal. Donc là, il y a une perte de dignité qui est très significative d'une dérive grave et qui est couverte à un niveau très haut. Parce que n'oublions pas que le 22 février, alors que la manifestation n'était pas finie, il y avait déjà un communiqué de M. Valls, ministre de l'Intérieur, pour annoncer les saccages. Donc la chaîne de commandement est part de très haut. Moi, je voudrais dire, quand même, s'il y a jubilation de Firmin, c'est de la psychopathie, quoi. Sur le comportement et sur la formation de... On dit la BAC, mais l'IGPN de Rennes me dit qu'effectivement il y a des membres de la BAC, mais c'est des membres de toute la police qu'on recrute pour ce genre de manifestation pour être en tenue d'unité mobile. Les unités mobiles sont beaucoup plus... par rapport à des cordons de CRS qui sont très disciplinés, qui avancent... En groupe, etc., les gens de la BAC et pour ceux qui font les manifs le savent très bien, sont beaucoup dans la provocation et beaucoup dans la recherche de l'affrontement. Et ce jour-là, je pense qu'ils ont été cantonnés à rester au niveau, souvent au niveau des rangées de CRS. Et c'est pour ça que je pense que sur le coup de 17-18 heures, il y a une telle frustration de ne pas avoir pu faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire écumer les manifs en prenant sur les côtés. Hein, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les écumeurs. Et en mettant des coups de matraque et en faisant des croche-pieds comme ils avaient fait en 2012, le fait qu'ils soient cantonnés au niveau des rangs de CRS a créé chez eux une grosse frustration, je pense. Et c'est ce qui a déclenché tous ces tirs là à partir de 16 à 18 heures où ils se sont fait ils se sont fait entre guillemets plaisir. Hein. Moi je les ai observés longtemps derrière la caméra. C'est quasiment de la jubilation pour eux. Vous croyez quoi, merde? On est là pour défendre une cause, on n'est pas là pour se foutre sur la gueule. C'est stop, on est avec toi. C'est votre merde, mais qu'est-ce qu'il a pensé? Laissez-nous passer. C'est votre avenir, c'est tout. Vos gamins, ils sont tristes de savoir que vous avez fait ça. Cherche pas plus d'espoir que ton routier. Ta mère, mon frère, se feste au restaurant routier. United, Winchester. Y'a une bombe dans le vestiaire. T'as cherché la petite bête, t'as trouvé la bestiole. Anti-keuf comme au Caire, ta révo en 104. Ces bâtards dehors veulent nous arracher le cœur. On est sorti du bunker. Association tirant isolé. Winchester United. Rendez-vous sur la barricade. Winchester United. Never be divided. Mais pour nous, ce sont des adultes en tout cas.
gens que j'ai vus participer à des, aux violences samedi dans Nantes sont des gens qui correspondent aux différents profils que je retrouve sur la ZAD quand, quand les pouvoirs publics ou les portants du projet sont sur la ZAD. Mauvais perdant, mauvais payeur, je sais bâtard égale citron, qu'on la colère comme conseillère. Les BRP du monde meilleur me foutent la chair, en bas ta dope demain c'est hier. On a grandi encerclé, qu'est-ce que tu viens voir les fair play. Y'a pas d'ailleurs, y'a pas d'après, quand des portes d'armes ont chargé, l'espoir c'est patient ailleurs. J'ai fait un rêve, aïe, chante de meilleur. J'ai vu la star tomber raide morte à la sortie de Catherine. La tuerie, frottée dans sang, la datura dans la théière. Dis-moi c'est quoi que tu monnaies, l'espérado associé. Rentre du plomb dans les oreilles et de l'acier dans les gosiers. Les mille de rien du quotidien, les petits jamais, les grands nus pas. L'apocalypse dans les entrailles, ça finit par sauter aux yeux. Cet accent qui radote, son argot cockney riot. Une seule histoire à raconter, y'a pas d'espoir à barboter. Des poteaux à raccrocher, desperados à redouter. C'est ce putain de monde qui nous rétame, nous fait l'effet d'une bombe qui nous réclame. Trop saillable réalité, pour trop peu de vrais instants choix, voilà fatalité. Tellement salive qui se perd sur les trottoirs, et de chauvistes qui n'attendent que ces bâtards. Insomniac au maraude, on risque les cauchemars. Marmora qui on fraude entre le table et le parloir. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. On s'accroche à nos poches sous les yeux, faute de rembarde en rebord. Et pour survivre à leur naufrage, on sauve à la rage. Si vous reprenez les images des agressions qui ont eu lieu contre les gendarmes, par exemple à l'automne 2012, vous retrouvez le même profil, c'est-à-dire des gens qui ont un profil bon enfant type clown, des gens masqués et casqués. Tout ce spectre de l'ultra-gauche est présent. Et donc ce que vous avez vu hier à Nantes, c'est ce qui se passe sur la ZAD quand les pouvoirs publics y interviennent. Les porteurs du projet. Winchester United, rendez-vous sur la barricade. Winchester United, never be divided. Winchester United. Tu marcheras plus jamais seul. Séance de tir au sous-sol. Kick ton fan, crampon d'attaque. La tête tacle à la gorge. Brûle l'uniforme, répand le feu. Traîner le poudre jusqu'à prenne. Capuche en vête, rejoins le cop. Tous les mardis on s'entraîne. Série d'abdos, massage laser. Tous les samedis on pratique. La fin du monde dans le viscère United Winchester. Tourments obscurs, tout le monde à terre. 5 ans papés sur la tête. Pas de message, pas de guide. Winchester United. Winchester United. Association de tireurs isolés. Winchester United. Rendez-vous sur la barricade. Winchester United. Never be divided. Winchester United. De bordel, donc j'ai pas compris au début ce qui se passait, et c'est après on m'a dit ouais c'est par rapport à la par rapport à l'aéroport. Donc moi du coup qu'est-ce que j'ai fait, ben, c'est que je me suis mis dedans et j'en ai profité, j'ai fait comme tout le monde, j'ai caillassé les CRS et je peux vous dire maintenant aujourd'hui ben, ça m'a soulagé. Voilà, ben, je suis désolé, on est obligé. Vous êtes prêt à le refaire vous? Ah mais oui, malgré mon casier judiciaire, malgré les années de prison que j'ai fait, je suis prêt à le refaire. Il n'y a aucun problème. Ils se sont sentis effectivement en sous-nombre et en difficulté, ils étaient harcelés. Harcelés de ce genre de choses. Ah, ils avaient un masque à gaz. Oui. C'est une arme. Ou pas. Si, c'est une arme. Bah, c'est considéré comme une arme. Non, c'est une arme. C'est pas considéré comme une arme, c'est une arme. Dans la législation française. Non. Bah si. Non. Je peux vous lancer à la gueule, ça prend plus mal que le masque à gaz. Le masque à gaz, on va le confisquer. Hein. Ah ouais. Autrement, je vous emmène voir les policiers. Et je pourrais négocier avec eux pour le garder après? Non, bah non, parce que non seulement ils vont vous le confisquer, mais en plus ils vont faire une procédure. Eh oui. Ah ouais.
Et du coup, quand ça va gazer, moi je vais pas pouvoir faire mon travail, je vais pas pouvoir filmer ce qui se passe. Pourquoi ça va gazer? Parce que les flics sont là et que... Attendez, moi je suis pas là pour juger ni votre organisation, ni les décisions du préfet. Ouais. Sauf que le préfet, c'est le représentant de l'État, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, c'est lui qui décide. On est d'accord? Non, non, mais attendez. Ouais, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, le représentant de l'État a pris une décision. La manifestation n'est pas interdite sur une partie de ce que vous demandiez, enfin de ce que votre organisation demandait. Tout le temps que ça se passe sur cette partie-là, il ne se passera rien du tout. Moi, je considère, et nous tous, les forces de l'ordre, on considère que quelqu'un qui est porteur dans une manifestation d'un macagal, c'est pas bon. Donc, ouais. Je confisque. Mais... je vais vous demander de me remettre votre masque à gaz. Et il y a moyen de récupérer après, par exemple ? Au commissariat de police. Ok. Donc, vous me donnez un papier qui dit que ah, vous l'avez je donne pas de papier, moi. Ah ouais, donc il n'y a pas de trace, quoi, donc je vais jamais le récupérer. D'accord. Alors ça c'est une arme, ça. Ça, c'est classifié arme en France. Hein ? Donc voilà. C'est parce que vous avez un tas de matériel classifié. C'est juste de se protéger. Mais non, parce que c'est du matériel militaire ou dérivé de matériel militaire. Donc c'est tout, là. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis. C'est du matériel militaire ou dérivé de matériel militaire. On a les mêmes. D'accord. On a exactement les mêmes. C'est tout. Tout ce qui est matériel de protection, même une tenue de protection NRBC. Mais en usine, dans un cadre bien particulier, vous sortiez pour la rue. C'est comme une arme. C'est dans le cadre de votre boulot. Non, ça, je vais en discuter des heures. Et deuxièmement, je suis là pour faire appliquer moi les décisions de l'État. Qu'elles soient intelligentes ou pas intelligentes. Sans en arriver aux extrêmes de l'Ukraine, évidemment. Si ça continue comme ça va en arriver là, de toute façon. Si le gouvernement ne fait pas de concessions, ça va péter. Si les Français doivent commencer à s'entretuer pour un aéroport, c'est triste. Mais ça ne sera pas pour l'aéroport, ça sera pour tout ce qui va avec. Eh ben, faut voter pour les bons. Ah bah, moi, je vote pas. Ah bah, voilà. J'ai pas envie de donner mon donc, peu si de vous pouvoir pas, à quelqu'un si vous pour qu'il décide en moi. Ah bah, et pourquoi pas? Parce que vous avez le pouvoir de décider quand même. Non, mais pas du tout. Mais si. Le vote, c'est pas... Ah si, vous avez le pouvoir de décider collectivement. Mais non, vous donnez votre voix pour que quelqu'un décide à votre place. Bah alors on en vient à la royauté, c'était pire. Ah non, pas du tout. Moi je veux donner ma voix directement. Au communisme. Ils votaient pas sous les communistes. Non. Hein, moi je suis pour l'unanimité, que les gens ils se mettent d'accord. Impossible. Ils sont 200 000 au Mexique, dans le sud du Mexique depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'ils le font. Enfin, c'est des apatistes qui sont maudits par le pouvoir mexicain. Ah bah oui, c'est la guérilla, bah oui. Donc voilà. Ouais. Bonne manifestation à vous. Eh ben merci. Ne faites pas trop les idées. T'as de la boue à Notre-Dame-des-Landes ? Nous avons eu l'irruption dans Nantes de la violence quotidienne qui règne sur cette zone et qui est le fait de ses occupants illégaux.